Nice, c'est la gang. Le gros show. Aujourd'hui, une petite mini vidéo, vraiment courte. Et écoutez, c'est l'heure de faire un petit traitement là, de prévention contre les bébites. Ce qui est arrivé, par exemple, ce qui est plate, c'est que cette batterie-là, elle a pris l'eau. Donc, c'est la seule que j'avais. Je ne suis pas capable d'en trouver d'autres sur Internet. Donc, il n'y a plus de courant là-dessus. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les spécifications de la batterie. 24 volts, 2000 mAh. Moi, ça me parle. Je sais ce que ça veut dire. Donc, ce que j'ai fait, c'est à place de la batterie qui va se brancher là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai soudé deux fils avec une prise pour mes batteries de drone. Et ces batteries-là, j'en ai des. J'en ai qui sont 18 volts, j'en ai à 24 volts. Donc, ça, c'est une 18. Je suis pas mal sûr là, d'être en dessous là, du 24 volts que tu as besoin. Mais ça va être assez quand même pour la faire fonctionner. Puis pour savoir là, si je suis en train de trop l'utiliser, ben, je me suis tapé là, mon petit, un petit meter dessus. Pour savoir j'étais à combien de pourcents à mesure que je m'en sers. On va plugger ça. Je fais ça d'une main. Hein. Donc 4.1 volts par cellule x 4, ça fait dire 4 x 4, 16. On est à 16.5 volts. Donc j'ai pu remplacer cette batterie-là avec ça. Parce que là, sinon je ne peux pas me servir de ça. Je ne veux pas faire mon traitement. Donc regardez, on va l'essayer tout de suite. Je sais que ça fonctionne, j'ai fait le test tantôt. Je vais vous déposer une seconde. Donc j'ai plugué. Et comme on peut voir. Fait que tout fonctionne. Ici, je peux surveiller ma batterie. Donc yeah, mission accomplie la gang. Fait qu'on peut arroser. Fait qu'on fait ça là, un petit traitement, puis je vous reviens avec une autre vidéo dans pas long. Alright. Ciao la gang. Débrouillardise 101.